Salut les filles! Oh! Non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que c'est la Saint-Valentin et que surtout, j'ai mon nouvel ordinateur avec mon nouveau logiciel. Donc, excusez si c'est pas top. Je commence, je débute, c'est un peu galère. Voilà. Donc, c'est une vidéo Saint-Valentin, comme vous pouvez le voir, parce que ben, c'est la Saint-Valentin qui arrive, donc du coup, voilà, une petite vidéo, maquillage pour les yeux vert, bleu et marron, ça fait ressortir tout, je trouve qu'il est bien, ce compromis, c'est un très bon compromis. Voilà, je voulais vous remercier également, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à commenter, et ça me touche tout particulièrement, parce que ben, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais, donc voilà, ben, j'espère que vous allez être de plus en plus nombreuses à me suivre, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma page, mes vidéos sur Facebook ou où vous voulez, moi je prends, voilà, je vous remercie et puis si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à suivre. Je commence par la base, comme d'habitude, on la place sur toute la paupière mobile. Je vais mettre une base blanche pour accentuer l'effet des couleurs. Je la fonds avec le doigt. J'applique la couleur jaune de la palette Sunset de Slick. Avec un petit pinceau plat, je le mets que en coin interne. Je tire un peu ma paupière pour pouvoir bien appliquer la couleur, qu'elle soit bien visible. De chez MAC que j'applique sur la paupière alors que ceux-là ils sont destinés pour les sourcils. Donc je vais le mettre avec le pinceau estompeur le plus clair qui est quand même équivalent à Naked, à la couleur Naked. Là j'applique le bronze, ce bronze-là, sur tout le reste de la paupière mobile. Je reprends le petit pinceau avec lequel j'ai mis le doré et je vais fondre les couleurs l'une dans l'autre. Maintenant, je vais appliquer cette couleur au coin externe de l'œil sur la paupière mobile uniquement avec ce petit pinceau plat. Je commence par le ras de cils et après je continue sur, comme vous allez voir, au-dessus et après je remplis. Je vous l'accorde, cette partie fait peur. Se dire mettre du rouge dans l'œil, c'est affreux, mais non, pas du tout, parce qu'après vous allez le fondre dans le bronze et après il y aura le noir qui viendra au coin interne. Donc là, je passe le boule pour estomper les couleurs entre elles. Maintenant, je reprends le côté foncé, c'est le espresso de MAC qui équivaut au buck, ou bien foncé quoi, des Naked, et je le mets d'abord en premier lieu au coin externe et après je vais le balayer vers l'intérieur pour le fondre. N'importe quel marron du moment que c'est un fard mat. Avec un petit pinceau crayon, je vais appliquer du noir sur le coin externe, juste une petite touche, et après je le balaye. D'abord, je le balaye pour étendre le noir et après, je vais faire des petits ronds pour le remonter. Je prends mon estompeur, je l'essuie un tout petit peu sur le papier et je vais estomper en dessous de l'œil. Et au-dessus pour finaliser le travail. Lumière. Avec la palette Naked, je vais placer le Virgin, mais n'importe quel clair irisé fera l'affaire. Je passe un petit coup d'estompeur pour que ça soit plus fluide, pour qu'on voit pas les traits. Avec le petit pinceau crayon que j'essuie, je vais passer au ras de cils inférieur. D'abord, je mets le plus clair, ça se voit pas, alors j'insiste avec le plus foncé. C'est histoire de donner une intensité. J'ai perdu de l'intensité, donc j'en rajoute, mais ça c'est à votre convenance. Mais en général, quand on estompe, on perd un petit peu, surtout quand on fait un travail de couleur,
ça s'en va, donc c'est pas grave, on retouche. Je prends Prunella, mais n'importe quel crayon prune ou noir pourra faire l'affaire. Je le mets qu'en coin externe, en haut et en bas, et après je l'éteins avec le pinceau plat. Et voilà, le travail est fini pour les yeux. Pour les lèvres, je vais faire quelque chose de relativement nude, entre guillemets, légèrement, parce que un repas de Saint-Valentin, avoir du rouge sur les dents, c'est pas très glamour, ou alors tout le temps en train de se dire est-ce que j'en ai encore, que machin, tout ça. Donc je me suis dit, la bonne combinaison, c'est Pink Plaid de chez MAC. Il est comme ceci. Et le crayon Alfred en contour. Donc, on va le mettre. Comme il n'est pas exactement de la même couleur, je vais au commissure fondre. Ça donne ça. Une petite touche d'angel. Ouh, j'en ai bientôt plus. Et je vais rajouter du crayon un petit peu. Et voilà les filles, le look final. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous allez passer une très bonne Saint-Valentin. Salut les filles !